Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자. Salut, salut. Alors, on est sur Dofus. Alors, comme vous l'avez, on est sur Dofus. Alors, ceux qui connaissent pas, c'est un MMORPG. Et je vais essayer de vous le faire découvrir. Donc là, en fait, je sais pas si je vais mettre cette vidéo sur YouTube. Peut-être que je vais la mettre, peut-être que je vais pas la mettre. On verra ça après. Alors, je vais faire un donjon. Alors, vous verrez bien. C'est en fait un donjon, c'est un bâtiment à plusieurs salles avec des monstres. Et chaque salle, en fait, de salle en salle, c'est pas de monstres de plus en plus compliqués. Je sais pas si je me suis bien exprimé. Et à la dernière salle, il y a un boss. Le monstre le plus compliqué du donjon. Alors là, en fait, je suis level 36, je suis un crafeux. Et j'ai essayé de faire le donjon. Alors, c'est le donjon le plus facile si on enlève Incarnam, le donjon d'Incarnam. C'est le deuxième le donjon le plus facile du jeu. Mais je suis qu'un level 36, il y en a 200 au niveau. Je suis qu'un level 36, donc... Et en plus, je suis pas un PGM, donc ça va être un peu chaud. Ouais, je voulais dire que ça va être un peu chaud, c'est tout. Alors, pour entrer dans un donjon, faut toujours une clé. J'ai ma clé là, clé des champs. Parce que je vais faire le donjon des champs. Donc je parle à la fille là, je lui donne la clé. Et bonjour aventurier, comment vas-tu? Je m'appelle Maui, je suis né sur l'île des Wabbit. Mon oncle c'est dingue, tatatatata. Je lui donne la clé et je rentre. Je l'ai jamais fait ce donjon. Je sens que je vais me rater. Donc là je suis à la première salle. Et je suis pour passer à la deuxième salle. Je suis obligé de battre un monstre en fait. Donc voilà. Déjà celui-là il est un peu chaud. J'y vais. Attends. Activer le mode tactique. C'est pour mieux voir les cases où je peux et les cases où je peux pas. Hein. Oh non, en fait, il est pas si compliqué que ça. Ça va. Moi je le gère facile en tout cas. La première salle, je la gère facile. Heureusement d'ailleurs, sinon j'étais voué à l'échec. Donc voilà. Je lui fais ça. Il a... Ah oui, les chiffres entre parenthèses, c'est les vies. Hein. Par exemple, moi j'en ai 446, eux ils en ont 45, 55 et 55. Ah, là là, là là là. Ah oui, et ici c'est les challenges. Ne pas perdre de points de vie, ben, je vais essayer. Hein. Je vais... A mon avis, je vais pas réussir. Parce qu'ils attaquent de loin, eux. Voilà. Si j'attaque lui, en fait... Toute la zone de rouge va être attaquée en même temps, donc le champignon qui est sur la ligne il va aussi être attaqué et tué normalement. Voilà. Ah oui, j'ai pas parlé. En fait, là à gauche, c'est des challenges, faut les remplir. Alors, j'ai oublié de le tuer, c'est pas grave. Par exemple, là, le premier challenge, c'est ne pas perdre de points de vie, et alors on a l'XP 50% plus haut. Et là, faut que tu aies Mosquito en premier. Je l'ai réussi, j'ai 35% d'XP en plus à la fin. Donc, J'ai réussi les défis là, mais pendant les donjons en fait je préfère pas trop m'en occuper des défis, donc 11106 c'est le nombre d'XP que j'ai gagné, challenge réussi, et durée du combat, les kamas c'est le fric gagné et les objets gagnés, durée du combat et voilà le nombre de tours du combat. Alors comme je disais, les challenges je vais pas souvent les faire, enfin je vais pas trop m'en préoccuper, donc si je les perds c'est pas grave, j'ai fait ce donjon juste pour le réussir en fait, pas trop pour XP, donc voilà. Donc, on est à la deuxième salle du donjon des champs. Déjà là, ça devient un peu plus compliqué. Ça me fait stresser. Pourtant, ils sont faciles. Hein. Là, tu vois, là, vous voyez, là, je réussis facile normalement, mais bon. Ça fait quand même stresser. C'est la première fois que je le fais et tout, quoi. Donc, enfin, bref, commençons. Commençons, mes chers amis. Ah, là, je vois une bonne opportunité. Ah, là, je les tue les deux en même temps. Normalement. Voilà. C'est aussi ce que je me disais. Et j'ai une deuxième attaque que je peux faire contre lui. Voilà. Et le moins 1 en bleu, c'était les PA. Les PA, en fait, c'est ça. Quand j'en ai 0, je peux plus attaquer. En fait, c'est comme ça que j'attaque. Et les PM, c'est pour bouger. Donc là, il attaquera soit moins fort, soit il... Voilà, là, il attaquera moins fort, normalement. Et s'il a plus de PA, il peut plus attaquer. Mais moi, bon, je n'ai enlevé que 1 PA, donc... Moins 45, au revoir. Et moins 32, je pourrais pas le tuer en un coup parce que c'est une attaque pas très forte, mais bon. Voilà. Là, moins 23.
Moins 15. Et ouais. Il était quand même fort, le mec. Hein. Le chanchant. Et il meurt. Là, vous voyez, j'ai raté les deux challenges parce que je me suis pas trop concentré dessus. Ah, là, on est la troisième salle et les dehors, tiens. C'est le premier donjon que je vois. Enfin, quoique, c'est le deuxième donjon que je fais en fait dans le jeu. Donc, c'est normal que je les connaisse pas trop. Ah, là, on a un tournesol sauvage level 22. En fait, entre parenthèses, c'est les niveaux là. Hein. Donc, tournesol sauvage niveau 22. En fait, je vous parle parce que je vais un peu recharger ma vie, même si. Là, j'ai ma panneau bouffe-tout. Ma panneau bouffe-tout, là, ça me donne 9 intelligences. En fait, là, je fais des attaques feu. Et quand je booste l'intelligence, c'est-à-dire je la mets au maximum, j'attaque plus fort les attaques feu. Et intelligence, c'est le feu. Voilà, c'est une petite anecdote. Enfin, anecdote. Là, je gagne 61 de vie en plus. Non, regardez, si j'enlève toute ma panneau. Ouais, je vais tout enlever. Enfin, le bouclier il fait rien, c'est un truc nul, mais bon, je le garde quand même. Regardez, j'ai tout enlevé. Et voilà. Et de 460 vies, un truc du genre, je passe à 230 vies. C'est-à-dire que j'ai perdu 200 vies, je pense. C'est grâce à ma poneau, en fait, que je gagne toute ma vie. Que la moitié de ma vie sont à moi. Donc voilà, je remets ça, je remets ça, je remets ça. Le bouclier, en fait, il sert un peu à rien. 1% de résistance, mais bon, je le garde quand même. Un chacha, c'est. Vous voyez? Attendez. Je vais essayer de le tourner. Orienter mon personnage, voilà. Vous voyez, il est avec moi là. Voilà, donc il est avec moi, tata. Mais je vais l'enlever parce qu'en fait, si je perds un combat, il perd des vies. Là, il a que 5 vies en fait. Donc j'ai préféré l'enlever. Et oui, les pods, c'est. En fait, là, c'est. La place qu'il y a dans le sac, il y a 1790 places, donc pod. Et j'utilise 467 des places. Et en fait, ça me rajoute 440 de places en plus. Enfin bref, alors on peut continuer le combat maintenant que j'ai toutes mes vies. Alors, 2 secondes. Voilà, je vais l'attaquer. Ça va être chaud. Je pense que c'est le moment de vous montrer ma nouvelle attaque en plus. Donc je vais vous la montrer. L'attaque. Non, je vais pas vous la montrer maintenant, je pense. Oui, dans ce combat, je vais vous la montrer, mais pas tout de suite, tout de suite. Utilise tous ces PM disponibles, celle-là, je vais la faire. Et pas perdre de vie, ça va être un peu impossible, là, je pense. Parce que lui, il attaque vraiment de loin. En plus, il a 125 vies, comme vous voyez. Enfin, en fait, je le finis en un tour, lui, hein, donc ça va. Regardez, vous allez voir grâce à ma nouvelle technique. Ah non. Attends, je vais le faire maintenant. Tir puissant. Ça, ma nouvelle attaque. Vous allez voir, au prochain tour, je vais vous la montrer. Vous êtes prêts? Attention. Oh non, merde, il s'est mis dans une position un peu compliquée, le gars. Je sais pas si j'ai bien fait de vous la montrer maintenant. Enfin, ouais, là déjà, j'enlève du 75, mais bon, c'est pas énorme. Regardez, regardez. S'il se casse, s'il revient. Vous voyez, il se met derrière le mur parce qu'il sait que je vais faire une bonne attaque, je sais pas comment. Peut-être reconnu une attaque, je sais pas. C'est quel ici là de l'attaque que je vais faire, donc merde. Vas-y, il se met bien là. Non, j'ai raté là. C'est énervant. C'est énervant, oui. C'est assez énervant, oui, ça c'est clair. Allez. J'ai perdu. Ah, je vous la montrerai au prochain tour, mais c'est vraiment, vraiment énervant. Je voulais trop vous la montrer et voilà. Oh, c'est chiant. C'est vraiment méchant. Ils m'ont joué un mauvais tour. En plus, elle fuit, c'est ça que j'aime pas. Elle attaque de loin, regardez. Elle attaque et elle se casse. Donc je vais partir moi aussi en fait. Je vais refaire une autre tactique et comme ça, elle sera obligée de venir. Voilà, là il est à découvert, parfait. Elle est à découvert, elle s'est mise à découvert. C'est une bonne technique, j'aurais dû l'utiliser avant. Ah, j'ai fait une mauvaise. J'aurais dû vous la montrer avant ma technique. J'ai mal calculé mon coup là en fait. D'ailleurs, j'ai perdu mes deux challenges. Merde. Ah là 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 là. Alors, je pense il y a 5 salles. Et la 5e salle, c'est la salle du boss donc. Alors, j'y vais. Je sais pas où il est le. On peut même faucher du blé pendant les salles. J'aime bien le donjon d'échange, j'aime bien. Enfin, bref. Je ne vois pas où il est. Peut-être que quelqu'un est passé avant moi, il faut que j'attende qu'il réapparaisse.
Ça m'arrange parce qu'en même temps je reprends mes vies, mais bon. Où il est? Ben en fait là, pour faucher, faut être paysan et je ne suis pas paysan. Je suis sur plein d'autres comptes, mais pas sur celui-là. Et où il est? En fait là, c'est un percepteur. En fait, quand je combats, il récupère la moitié de une partie de ce que je gagne. Par exemple, percepteur d'une guilde, il a ramassé 81 de expérience, 42 potes d'objets. Et en fait, il ramasse ce que je gagne pour lui. Ah voilà, il est là, il est là. Donc pour aller plus vite pour récupérer mes vies, je vais. Oups, ça c'est mes quêtes. Pour aller plus vite pour récupérer mes vies, je vais tout simplement prendre du pain. Celui-là, il me redonne 50 vies d'un coup. Et celui-là, celui que j'ai fait moi-même en étant boulanger dans un autre compte. Ça me redonne que 10 vies, mais bon, c'est déjà ça. Donc là, je les bouffe tous, je fais double-cliquer dessus. Voilà, vous avez récupéré 10 vies, 10 vies, 10 vies. Voilà, j'attends un petit peu. Bah non, en fait, je vais. Voilà, parfait. Je suis à 448 vies, donc voilà. 99%. Et voilà, parfait, parfait, parfait. Donc, où il est passé? Il est là. J'attaque. L'avant-dernière salle, l'avant-dernière salle. Pour l'instant, aucun monstre m'a posé de problème. Hein, donc, m'a vraiment posé de problème. Lui, c'était un peu de la rigolade, mais bon. Oui, pour l'instant, il est facile en fait. Ce dont je m'attendais à plus dur au début. Et là, non, ça va, il est facile. Bon, après, le boss, je sais qu'il a 420 vies, je pense. Mais bon, avec mes nouvelles attaques, normalement, je le gère. Il m'a saoulé, lui. Hein. Lui, en un coup, je le tue. Il m'a enlevé tous mes PM en fait. Donc, du coup, j'ai du mal à bouger. Lui, je lui baisse un peu sa vie. Et voilà. Allez, je vais vous montrer ma nouvelle technique. Bon, je la mets sur moi. En fait, cette technique, ça augmente mes dommages. Et en fait, avec cette épée, cette attaque, je tape du 70. Et là, normalement, je tape du 100. Normalement, je tape du 100. Là, j'ai tapé que du 94. Mais bon, pas grave. Non, 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 non. Ah, il se met en plein milieu. Ben, pas grave, je l'ai tué les deux en même temps. J'ai flèche enflammée sur les deux et ils meurent tous. Et il reste 80. Je fais flèche glacée, ça devrait lui enlever 32 points de vie, un truc du genre. Voilà, 31. Et je passe mon tour. En fait, avec cette nouvelle attaque, tout est vraiment plus facile, j'ai envie de dire là. Je les tuerai beaucoup plus vite. Surtout pour le boss, si je lui enlève du sang par coup, ça ira plus vite. Alors là, cinquième salle, je suis sûr que ça. Voilà, c'est la dernière. Vous voyez, c'est un tournesol qui a une sorte de couronne. Tournesol affamé, il s'appelle. Oui, c'est le tournesol affamé. Il est que level 20, vous pouvez voir ici, mais on va dire qu'il est très fort. On m'a dit qu'il avait 420 vies, je pense. Donc on va voir ça tout de suite. Je vais reprendre toutes mes vies, là, ça va être primordial, surtout. Donc là, je prends mon pain au blé complet qui me redonne 50 vies. Voilà. 441. Allez, je suis chaud, je suis chaud, je suis chaud, je suis chaud, je suis chaud. Avec lui, je pense que je vais peut-être placer une level 37, peut-être. Mais ah non, je gagne que 8000. Allez, j'y vais, je me lance. Ouais, lui, gardien du donjon, vous voyez, donc. On y va. J'espère qu'il est pas trop compliqué, j'espère, j'espère, j'espère. Or, soit je commence texto direct ou. Bon, lui il va m'énerver dès le début, je le sens. Donc je vais lui faire. Ça, non, ça bouge comme ça vient. Allez, tranquille. Et je me mets mon attaque tir puissant. Je sais pas si c'est un bon tour. Parce qu'elle dure que 3 tours en fait, cette attaque. Donc je sais pas si c'est bien que je la mette maintenant ou si que j'attende. Combien de vies d'ailleurs? 420 vies, voilà ce que j'avais dit. Et vous voyez, il a invoqué une. Ah, c'est chiant. Soit je l'attaque directement. On m'a dit de pas trop l'attaquer directement en fait. Donc. Échec critique, oh merde. Ah, ça s'annonce mal là. Je vous le cache pas, ça s'annonce mal. 39, ça va. Ça s'annonce mal, ça s'annonce mal. Putain, putain, putain. 56 vies, putain. Aïe, aïe, aïe. Elle, je la sens pas. Elle avance que 2 PM, mais si elle te rattrape, t'es dans la merde. C'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit ça texto, donc. Je la fais reculer.
Ah non, mon attaque elle s'est cassée. Putain, c'est chiant ça. Allez, je me casse. Elle avance que de 2 PM, donc je peux la... Si en fait, si je la tue elle, je tue son invocation avec. Ça rajoute les 27 vies, merde. Casse les couilles. Oh, je la sens pas du tout. Elle me fait vraiment peur, celle-là. Je la sens pas du tout. Oh, putain, que du 51. Elle doit avoir une résistance. Un truc qui fait résister mes attaques. Normalement, je tape un peu plus. Du 60-70, plus ou moins. Aïe, 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 aïe. C'est bon, il reste que 275 vies. Je peux tenter de la finir là. Enfin, pas la finir maintenant, mais je crois plus. 48 seulement. Voilà, là, 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 ça va être vraiment chaud. 18. Normalement, je tape beaucoup plus fort, hein. Je vous le dis tout. Oh putain, 186 vies. Je vais mourir, je vais mourir, je le sens, je vais mourir. J'aurais peut-être dû attaquer celle-là en première, comme ils me l'ont dit les autres. C'est vrai qu'elle me fait des dégâts pour rien. Attends, je vais la finir, elle. Parce qu'elle me fait vraiment des dégâts pour rien. Et c'est énervant. Ah, tu vois, elle m'enlève du 50. Putain, j'aurais dû l'attaquer en première. On m'avait dit attaque là en première, mais j'ai pas réfléchi. Merde. Je suis vraiment dans la mouise. Dans la mouise, 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 là. Je vais mourir, wesh, 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 je vais mourir. Ah, je suis dégoûté, j'ai mal joué. J'ai mal joué, c'est pour ça, j'ai mal joué. Je vais mourir, mais j'ai mal joué, quoi. J'ai mal joué. Regarde, elle va me finir. Ah, même pas. Regarde, elle va me finir, elle. Aïe, je suis dégoûté, je suis vraiment dégoûté. Oh, putain. Non, putain, je suis pas d'humeur là à faire un échange. Putain. Je suis dégoûté, je vous dis pas comme je suis dégoûté. Parce que j'aurais pu la finir, mais non. J'ai raté mon coup. En fait, les autres, ils m'ont dit. Parce qu'on m'a conseillé, on m'a dit que c'était facile, mais qu'il fallait d'abord tuer les autres. Et moi, je me suis dit, je vais faire mon malin, Et je vais tuer d'abord elle. Et voilà. Comme je suis pas un gros PGM, comme je l'ai dit tout au début, ça a pas marché. Et voilà. Donc ça fait combien? En 17 minutes. J'aurais pu gagner vraiment. On m'a dit c'est faisable avec un level 36. On m'a dit c'est faisable, hein, mais. Mais j'ai. Non. J'aurais dû d'abord tuer. Celle, en fait, celle qui me faisait le plus de dégâts, c'est le tournesol sauvage. Je l'aurais tué d'abord. Les autres, ils m'auraient enlevé que du 20. Chacun. Et voilà. Et j'aurais. Et du coup, je. Non, c'est énervant, quoi. J'ai vraiment raté ce donjon, quoi. Et ça me dégoûte un peu. Voilà, en fait, quand je rate un donjon, ça me donne envie de le refaire. Donc j'hésite, est-ce que je le refais maintenant ou pas? Non, mais je vous dis, ça me dégoûte, quoi. Vraiment, ça me dégoûte. J'aurais pu le faire facile, mais non. Bah, vous savez quoi? Je vais me le refaire. Ils vendent des clés à l'entrée. Il y a des gens qui vendent des clés à l'entrée pour se faire du fric. Je vous cache pas, c'est un peu cher, mais bon, je vais en acheter une et je vais la refaire, le donjon. Je vais le refaire. Bon, voilà, je vais le refaire. Je vous montrerai les gens qui vendent à l'entrée. Voilà, on est. Voilà. Non, je suis dégoûté, vraiment. Là, on clique là et je puise un peu d'eau. Ça peut aider pour faire du pain. Les pains que j'utilise pour récupérer de la vie. Donc ça peut aider pour faire ça. Donc là, en fait là j'ai un petit bug de coup. Donc je vais essayer de le refaire là. Attention, attention, attention. Ah j'ai un bug de coup. C'est un peu chiant. Voilà, j'ai repris mon truc. Alors, voilà, en fait ici c'est des marchands. Et ils vendent du... Parce qu'en fait il y a beaucoup de personnes. Donc avec ma queue de merde, c'est vrai que ça se fait un peu bugger, vous voyez ici. Alors voilà. Ici c'est les marchands, je vais prendre le moins cher. Normalement, impossible d'échanger. Ah ouais? Pourquoi je peux pas échanger avec le joueur? C'est bizarre, mais en fait c'est la connexion. Voilà, clé des champs à 2000 kama. Moi j'en ai 17 000 ici, donc... En fait j'ai essayé de prendre le moins cher. Donc là, 1500 kama, à mon avis ça va être le moins cher. J'en prends une à 1500, ouais. Voilà, donc je vais me refaire le donjon.
fois-ci, je vais pas me rater. Ah! Regardez! Reprendre le donjon des champs où vous l'avez quitté. Vous êtes sérieux, là? Oh, je peux reprendre le donjon. Attends. Oh, je pensais que j'allais devoir tout refaire. J'allais couper la vidéo et vous me remontrez directement à la 5ème salle. Non, ils disent direct... Oh, j'ai même pas eu à donner la clé. J'ai même pas eu à... Ils m'ont pas dit vous avez perdu la clé des champs, non? En fait, j'ai acheté une clé des champs pour rien, quoi. Mais bon, pas grave. Ah d'accord, tu peux le refaire autant que tu veux, en fait. Qu'est-ce que tu gagnes? Ah mais non, j'ai pas repris ma vie. Aïe, 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 j'ai pas repris ma vie, j'avais oublié. Putain. Bon, pas grave. Alors, avec 446 vies, j'ai raté. On va voir si avec 294 vies, je vais réussir. Cette fois-ci, en connaissant un peu mieux le donjon, quand même. Donc, cette fois-ci, d'abord, je vais tuer les tournesols. Les trois personnes-là, je vais les tuer. Là, je vais pas faire l'erreur. Je vais d'abord tuer les trois personnes. Et puis, en plus, elle avance que de deux. Donc, ça va m'aider. Donc, lui, normalement, en un coup, je le finis. Donc, j'y vais, je le lance. Je me lance corps à corps, tête à tête, etc. On y va. Alors, allez, je lance, je le tue. C'est bien, super, c'est la fête. Et je baisse un peu. Lui. Je lui ai même enlevé un PA. C'est peut-être parce qu'il va taper moins fort. Moins, un peu moins fort que l'autre fois. Hein. L'autre fois, il me tapait du 50. Non. Oh non, il m'invoque un monstre encore plus puissant que la dernière fois, t'es sérieux là? Oh les gens, je pense que je suis dans la mouise, on va dire. Disons ça comme ça, je suis dans la mouise. Non mais il exagère pas un peu le mec. Encore la dernière fois, il m'invoque un truc de merde, je veux bien une larve. Ok, mais là... Là il me lance carrément un... Non mais t'es sérieux, en plus du 75 je tape. Oh mais c'est quoi le sort qui me lance le mec? Oh non, je le sens pas les gens. Oh non, je le sens pas du tout, je vais me faire tuer. Il lui redonne de la vie. Non, je rêve là. Est-ce un rêve? Est-ce un mauvais rêve, mes amis? Si j'ai en train de mourir comme une merde, je le pense aussi. Oh, je peux le battre, mais avec toute ma vie, vous voyez là. Tout seul, ça va pas le faire. Allez, je l'ai presque tué, c'est la fête. Et je vais presque mourir aussi, c'est moins la fête, ça. Oh non, il se casse, cet enculé, il se casse, non. Oh non, il le protège. Oh non, il le protège. Oh merde, il le protège. Je vais mourir. Mais si je peux reprendre comme la dernière fois le donjon, ça serait bien. Et cette fois-ci, je reprendrai toute ma vie. Parce que j'avais pas repris ma vie, ça m'aurait aussi étonné de gagner. Mais bon, putain. Je pense que j'ai une réelle chance de le gagner, ce donjon. Mais faut pas que je rate, quoi. Je fais tout dans le désordre, du coup, je me rate. Mais je peux le gagner, moi. Je sais que je peux le gagner avec toutes mes vies. Là, je vais perdre, mais bon, avec toutes mes vies, je suis sûr que je le gagne facile. Oh, il se casse, merci. Merci pour cette offrande, mes amis. Toi, je vais faire flèche glacée, est-ce que je peux le tuer en un coup? Oui. Oh, alors, lui, s'il continue à se casser, parce que lui, il va pas m'attaquer, parce que je vais me reculer. Non! Échec critique. Faut jamais faire échec critique dans des batailles. Et là, je me fais une grosse échec critique. Bon, pas grave, allez, pas grave. Je suis dans le jeu, je suis tranquille. Allez. Oui, je me ravoque un monstre et je vais mourir comme une merde. Ouais. Je vais mourir. En fait, je le tue lui et il meurt tous les deux, mais bon, pas grave. Enfin, maintenant, tous les un, mais bon. Allez, Yanis, il lui reste que 49 vies, mais il est toujours vivant. Après, je me gaffe depuis tout à l'heure, hein. Lui il vient jamais et ouais, je me gave. Putain, faut que je reste à distance de lui, j'ai pas confiance. Hein. Il va me tuer si je me mets. Oh, n'empêche, je suis en train de gagner. Hein. Regardez. Je suis sérieusement en train de gagner. Puis tout à l'heure, je suis en train de gagner. Je pensais que j'allais me faire tuer direct, mais là, non. Hein. Vous voyez, là, je suis toujours en train de. Non mais la même attaque là qui me. Il se prend un peu de vie mais je m'en fous ce que je fais. Merci putain, c'est trop cool qu'il se soit cassé là. Hein.
Je dis yes, moi. Je dis yes. J'ai jamais dit yes comme ça, mais là, je vous dirai yes, les gens. Parce que ils se cassent. Oui, ils se cassent, les gens. Merci pour cette offrande fabuleuse. Oui. Merci pour cette offrande fabuleuse. Oui. Merci pour cette... Oh, il reste que 48 vies. Il reste que... Oh, les gens, j'ai gagné avec si peu de vie. Attendez. Attendez, ne crions pas victoire, mes amis. Putain, si je crie victoire, j'ai gagné. Oh oui. Amulette paysanne, je vais voir ce que ça le fait. Oh putain. Oh, j'ai gagné le donjon des champs. Ça, c'est la sortie, hein, c'est pas... Gagné le donjon des champs. Enfin, attends, faut refaire le point, là, attendez. Avec 446 vies, j'ai perdu le donjon des champs. Avec 200 vies, je sais plus combien, j'ai gagné. Avec 200 vies, j'ai gagné. Putain, je me suis gavé. Je dois dire, là, je suis... En fait, il suffit de bien le connaître, ce donjon. Faut d'abord éliminer les... En plus, aussi, c'est un peu grâce au gars qui s'est cassé loin, aussi, parce qu'il a été con. Mais d'abord, faut éliminer les autres, et après, tu t'occupes du mec. C'était un bon conseil, ce qu'ils m'ont donné, parce que ça a marché, là. Bon, sorti. Oh, n'empêche, je dois vous avouer, je suis trop heureux, hein. Pour moi, c'est la fête, là. Ah, je me casse, oui, je sais, je me casse, j'ai gagné. Et je réapparais ici. Oh, c'est une entrée secrète, lol. Oh, putain, mais c'est énorme. Putain, j'ai réussi à gagner. Avec... Ah, je vais voir ce que ça fait, l'amulette paysanne, hein. À mon avis, elle est pas plus forte que mon amulette bouffe tout, mais bon. Plus un dommage, 48 initiatives. J'ai pas compris ce que c'était l'initiative. Ça, faut que je demande à quelqu'un. Parce que j'ai plein de... Je pense que j'ai des initiatives ici aussi. Je vais voir. Ouais, j'ai 5 initiatives. Mais je sais pas ce que c'est. Bizarre. En tout cas, je vais pas la mettre, l'amulette, parce que elle me donne... Parce que les initiatives... Ah, attends, je vais voir. Non, il n'y a pas ici initiative. J'ai pas compris. Ah, initiative. Initiative détermine l'ordre dans lequel votre personnage va commencer le... Ah, c'est ce truc là. En fait, l'initiative, je sais pas si vous avez eu le temps de lire, ça sert à commencer le premier. Plus ton initiative elle est grande, plus tu commences le premier. Ah, d'accord. Ah, d'accord, je pensais que c'était dû au hasard, mais non. Là, j'ai pas beaucoup d'initiatives, donc je commence jamais en premier. Mais en fait, je préfère ça que beaucoup d'initiatives parce que. Peut-être quoi. Elle a 9 intelligences, je sais pas. Peut-être que je vais la mettre. Ah, elle me baisse la vie, regardez, elle m'a baissé un peu la vie. Cette amulette donne plus de vie, je pense. Allez, on va voir. 446 vies, c'est le total. Et maintenant, je change, ça donne... Ah ouais, elle me donne 30 vies de plus. Il est marqué nulle part, hein, qu'elle donne 30 vies de plus, mais apparemment, donc voilà. Voilà, bon, bref. J'ai réussi le donjon des champs avec 200 vies au lieu avec 200 vies et j'ai raté avec 400 vies. C'est le monde à l'envers mais c'est pas grave. Donc peut-être que je vais la poster sur YouTube cette vidéo. En tout cas, je vais peut-être mettre aussi le nom d'une chaîne. Je pense qu'elle s'appelle Gothica, je sais pas quoi, la chaîne ou MSP quelque chose, Movie MSP, un truc du genre. Allez la voir, c'est la chaîne d'une amie. Et voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et à plus. Norway, no, you didn't get my